Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Entre lundi 13 pour arriver dimanche 19 juin 2022, 11 personnes mouri avec 121 autres blessés dans accident machine avec motocyclette qui fait sur route dans le pays d'après service technique à coopération pour prévenir accident machine avec motocyclette dans le pays d'Haïti et stop accident. Tout élève dans zone tabac, torsel et peigné qui pas arrivé à le composer lundi 20 juin 2022 dans premier jour examen 9e année fondamentale 2022 a capable faire ça dans une autre date dans cadre centre permanent évaluation. C'est garanti ça, ministère éducation nationale baille. Justement, depuis l'ennui, dimanche 19 juin 2022, a grand examen vite l'homme innocent yo, recommencé si mais l'intérêt avec la troublaille à gros coup de zame y a tiré dans tabac, torsel ak nan peignet. N'a pas plus divers connus, tant qu'économie, technologie, la santé à la kilti. Rete connecté à Alter Radio, c'est point sur avec diverses autres nouvelles développées pour une édition 24h. Cap venir. 24h, journal Alter Radio. Li soti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Bienvenue dans le développement 24 Canap de ma journal La Condition Temps, bouleverse local dans le temps, prêt à l'activité de l'appli sous plusieurs départements pays d'Haïti. C'est vrai, masse poussière sable qui sortit Sahara dans le pays Afrique, la cause moins humidité dans l'air sous pays Caraïbes. Mais bouleverse local dans le temps, prêt à l'activité de l'appli dans le finissement après-midi à Kassoué sous département Sides, Sidaclouès, côté nous jouons zone métropolitaine Port-au-Prince. Gen vent cap soufflé divers côtés sous département pays d'Haïti pendant journée. Gros soleil ak tibouya nan matin ap gen nuage nan finisman jounen ak aswe. Soti nan nivou 35°C, temperati an pral desan an 26 pou al 22°C nan aswe. Detan yo va evite rentre nan fon lan mer kap mouve an pil, kapten bato, chaloup, boafouye yo, dwe toujou pren prekosyon nesesè yo bo tout kota peyi d'Haïti yo, vage yo ap monte nan nivou 7 piyote bokot Sidyo ak 6 piyote bokot Nord peyi d'Haïti yo. Nan chapit insekurite sou route yo ant lundi 13 pou rive dimanche 19 jan 2022, 11 moun mouri ak 121 lot blese nan aksidan machine ak motosiklet ki fet sou route yo nan peyi a dapre servis teknik ak operasyon pou preveni aksidan machine ak motosiklet yo nan peyi d'Haïti et stop aksidan. Dapre stop aksidan, se yon kantite 21 aksidan ki fet 132 viktim pandan peryot sa nan divers zon nan peyi a. Dr. Cassandra Jean-François ki se porte-parole stop aksidan mande chauffeur yo pou yo adopte comportement responsable sur route yo pour diminuer quantité accident qu'a fait dans pays a. Nan chapit edikasyon, tout eleve nan zon tabac, torsel ak peigné ki pat rive al kompoze lundi 20 jan 2022 nan premier jou examen 9e ane fondamental 2022 ap kapap fe sa nan yon lot dat nan kad santa permanent evaluasyon, se garanti sa Ministè Edikasyon Nasyonal di li baye. Nan yon publikasyon li fe sou kont Twitter li, minis la rappele si pou yon rezon justifiye yon kandida rate joua, Ministè Edikasyon Nasyonal mette en plas santa permanent evaluasyon an kote lap kapab pre randevou pou pase examen sa. Justement, depi l'ennui, dimanche 19 juin 2022, gang aksam vite l'homme innocent yo, rekoumanse si mè l'intérêt ak la troublaille ak gwo kou d'zam yap tire nan tabac, torsel ak peigné. Dapre informasyon ki disponib, se chef gang sa a, ki gen nan tèt li vite l'homme innocent kap koupe rache nan zon torsel ki fe klima l'intérêt sa blayi nan zon sa a, ki la koz an pil moun ki ap vive nan zon nan oblige rete fermè an dan la kayo. De machine kankanen nan dife lundi 20 jan 2022 nan les kapital Port-au-Prince-Lan nan kade nouvo situasyon tansyon ak la toublai gen aksamyo ta provoke nan zon kapital Port-au-Prince-Lan. Bodi aksamyo mette dife nan yon kamyonet patro lwen akademi polis lan sou route freyan aloske yon lot kankanen nan dife tou pre pernye 28 dapre presisyon sindika sekte transport teres haisyen STTH sou kont Twitter li. Nan la nuit dimanche 19 apourive 20 jan 2022.
2022 a, bandi a exam tiré en pile katouche nan zon tabac, yon nan municipalité nan Nord-Est, à Port-au-Prince, nan Torsel ak nan Peigné. Lundi 20 juin 2022 a, activité globale yo te paralysé nan zon nan, sa ki te la cause gros blocus nan zon nan. Gen barricade à caoutchouc ki ta boulé nan kek zon nan centre-ville à Port-au-Prince lan. A cause climat la troublé ak la Teresa, gen plusieurs candidats nan examen d'état 9e année fondamentale la ki pat kapab aller nan divers centres examen yo. Gen plus passé 200 000 candidats qui a participé sorti lundi 20 pour arriver mercredi 22 juin 2022 dans l'examen officiel 9e année fondamentale. Yo. Yon l'autre bord, gen plus passé 2500 participants qui subit sorti lundi 20 arrivé vendredi 24 juin 2022 examen d'état pour l'école normale institutrice ak instituteur yo ENI. Gen plus passé 500 lotes y attend dans examen officiel pour centre d'éducation familiale. Nan chapit migration nan okasyon Jounen Mondial Refugye yo lundi 20 juin 2022 a, Ofis Protection Citoyen ak Citoyen mande gouvernement nan zon nan sispan nan pimpe voye tounen nan peyi d'Haïti paket Haïtien ak Haïtienne kalbouske la vi miyo lot bo a koz a problem sekurite ak mouve kondisyon la vi pa bo isit yo. Nan yo komunike li publiye, OPC mande komunite internasyonal la ak tout peyi nan rejyon an, an patikulye pou yo souteni Haïtien yo ki tante entre nan peyi yo pandan yap kouri pou mouve kondisyon ekonomik ak sekurite. Soti septembre 2021, rive mwa mai 2022, gen environ 26 000 Haïtien peyi Etats-Unis pimpe voye nan peyi d'Haïti aloske gen preske 9 000 lot République Dominicaine voye tounen pou seulement mwa mai 2022 a, dapre Office Protection Citoyen ak Citoyen yo, OPC. Plize dizen nan milye moun, blije force kite la kay yo, yon fason pou yo kapab refuji yo nan fami d'akyeuil. Gen lot se nan kan apre gwo lese frape ki gen antre gang aksam yo kap defan nan teritwa nan divers zon nan kapital Port-au-Prince lan antre 24 avril pou rive 20 mai 2022 an. Gen lot ki chwazi kite peyi a yon fason ilegal. Dabre divers donè ofisyel, gen plis pase 16,800 moun ki deplase. Anpil nan yo se moun ki nan goup ki vulnerab yo. Anpil nan moun sa yo soti Matisan, Fontamara, Wadebouke, Pernier, Belè, Badelma ak la plèn. Ofis Protection Citoyen ak Citoyen invite otorite yo pou yo gen yon atensyon spesyal epi ujan sou sityasyon moun sa yo ki deplase kap vive nan kondisyon ki ekstrem epi ki ekspose a tout form violans ak eksploatasyon. Tout moun an sou la ter gen dwa chèche sekurite kel ki lan swa moun yo ye a, kel ki lan swa kote yo soti, kel ki lan swa mouman, kel ki lan swa kote yo oblije kou ikite, se pozisyon Fond Nations Unies pou Population plis konen sou nan UNFPA. Okasyon Jounen Mondial Refugye yo, lundi 20 jan 2022 a. Nan chapita politik apati dimanche 26 jan 2022 a, nan Okay, debatman sid pral gen mobilizasyon divers kote nan peyi d'Haïti kontre klima l'antere gang aksam yo ap si maye sou teritwa nasyonal la. Se sa, moun an kite si yen sa yore le protokol antant nasyonal la anonse. Yon nan dirijan pen yo, koordinatè nasyonal pati politik Haïti an aksyon, Yuri La Tortue, mande tout populasyon leve kampe pou chanje sityasyon sa paske se sel mobilizasyon kap kapab ede nan rezoud ansam problem kap travesse peyi a. An koute koordinatè nasyonal pati politik Haïti an aksyon, Yuri La Tortue, kap pote plis detay pou nou. Je di a pen apoye sou sa pote. Pen de kamè nan bon aiv, nou met de milye de nou. Nou kamè nan enche met de milye, men konen nan milye enmi. Enmi, ki liye avèk banditis la, ki yo men, yo apese yu krasi tout tip de mobilizasyon. Je pote sa ki di a nou di, ke pen pa kamp. Nou man kontinuye avèk tout a liye yo. D'ayèr, nan pil a liye, justement ki wajwen nou. Tout a liye ke nou gen a subye, nou va kondane pou nou manifeste dimanche 26 juin pou Okay. Apre nou wane Okay nan le nord, le 30 juin. Gen ap di tout moun, nou pa fe manifestasyon semen sa. Paske nou te deside nan pen, ke nou pa manifeste pandan a fe examen ofisyel de fin ane. Examen ofisyel yo, de lundi a mercredi 9e, et puis apre les examens pour l'économie familiale, jeudi, vendredi. Je vais décider que si année a, eh bien, Timonio, yo, fini, passé, et toute année a, on va faire des sûr que pendant ce même temps, non pas manifester, mais dimanche, n'a pas de manifestation d'aille, parce que nous avons bien examen officiel le 1er au 6 juillet et le 7 juillet, on va le faire, et bien, peine, comme on va le passer.
n'a pas le ça parce que vous pensez que je dis à mon paca qui est bien encore. Quel est votre côté aller? Nous sommes dirigeants même pour faire rencontrer les gens qui ça va faire. Qui ça va faire? Et je dis à nous, au-delà de l'insécurité, nous avons anarchie. Regardez ça. Il est l'homme baille. Oui, c'est madame. Et maintenant, bloqué. Il a annoncé, oui. Nous avons même nous. Même dans la zone dans l'héritier. Les bloquer du côté et la police, hein, l'armée et le gouvernement, c'est comme si rien n'était. Ah oui, alors il descend dans le rôle, à contrôler comme il y a personne dans le budget. Pendant ce temps, la population dans la zone ça, pas qu'à travailler. Si il y a des gens qui sont malades qui sont dans la zone ça, il n'y a pas qu'à un docteur. Comment on peut comprendre comme dirigeant politique pour nous aider à garder la question ça? Que vous nous dans zone qui dit que pas sortir d'ailleurs, il dit que vous les gardez vous dans la palais national. Donc il montre que c'est banditisme d'État. C'est parce que l'État n'a pas fini à faire que nous avons que la population a subi. Yon lot bo koordonate nasyonal pati politik Haiti an aksyon an, Youri La Tortue, mande pou genyon leadership kolektif ak tout organizasyon nan sosyete sivil la, tout pati politik ki vle retire PIA nan Kachouboumbe li plonje depi kek tan. Nan se sa, li anonse yap mobilize nan 2 debatman nan sud ak nan nor anvan yon rive nan debatman l'ouest la pou yon tanmen yon gwo mobilizasyon anvan dat 6 juye 2022 kap pointe la pou Premier Ministre Ariel Henry bay pouvoir. An koute, koordonateur nasyonal pati politik Haiti an aksyon, Youri La Tortue yon lot fwa ankor kap pote plis detay pou nou. A yon an konstate, tout moun konstate, ke mwen di yo, yon an paket, yon gen lojman. An pil batay ki fet sou de dosye d'importans, patran de Petro Karimbede yon malo de la priye, tout la, epi jodi ya, ou gen impresyon, ke gouvenman bi bien kontan, ke an men limine de se sa. E an pil moun ki nan gouvenman sa a, qui j'ai dit à la bataille pour nous c'est sur aller, tout le fameux bouchon. Et puis le bordel, il voulait vous dire. Est-ce que c'est acceptable? Non. Nous-mêmes, dans la peine, nous disons non. Nous disons, prochain rendez-vous avec Aïe. D'ailleurs, 5 départements bloqués depuis un an, il faut nous dire débloquer Matissan. Parce que je dis à, si quelqu'un qui a bâti, il y a 12 millions de monde qui m'a gagné. Si quelqu'un qui a fait business sur l'autre côté de ce domaine, il y a un pile de monde qui m'a gagné. Quel monde ça y est? Est-ce que la prête est gagnée? Est-ce que la petite neuve, je dis à l'entendre en communauté internationale qui dit, il y a vous nouveau minute, peut-être j'en ai là. Qui ça nous-mêmes nous fait le pays nous? Qui ça nous va le faire la situation avec peine? Je dis à. C'est pas que le leadership nous lancer. Ça nous lancer à, nous besoin de leadership collectif avec toute organisation, parti politique, qui voulait que je dis à situation ça, nous retirer. C'est peut-être ça. Nous dit. N'a pas passé dans cette lieu de notre vie, dans le sud et dans le nord, avant que nous vivions dans l'ouest, et n'a pas le président. C'est soit en y allant. Il fait consensus là, pays a joindre au exécutif, pour me marcher avec Bandio d'ici le 6 juillet, laisse ça pour nous marcher sur Bandio, ou bien en y allant. Allez. Parce que je dis là, il n'y a pas qu'à attendre, et c'est nécessaire que PMDD lance maintenant. C'était coordonnateur national parti politique Haïti en action, hein, Youri La Tortue. Secteur démocratique ak populaire SDP ki nan aliansay ak gouvernement de facto Ariel Henry di li gen gwo ki a sote sou l'intérêt gang aksam yo ap ple de simaye yo san gouvernement de facto pou ko jan pran aken disposition pou kwape zak la terre sa yo. Nan yon nota pou la presse li mette deyo, sektor demokratik ak populè a fè konen sityasyon sa ki baye kè sote, se rezultat delinkans l'Etat Haïtien ki pa kapab garanti sekurite sitwayen yo paske ekipe HTK te gen tan afèbli li pase 10 l'anè. Fason bandi a exam yo pran an otaj a plize institisyon publik, montre genyen nesesite pou Premier Ministre la, Dr. Ariel Henry, konvoke yon dialog politik multilateral nan lide pou angaje deba nasyonal ki nesesè pou sekurite, stabilite politik, justis a gouvenans nan PIA dapre SDP ki fe konen gouvenman plas la, tro feb pou li ta pemet PIA travesse mouman difisil. Kapten Liyo. Wap koute 24 sou Alte Radio 106.1 FM Stereo sou www.alteradio.org ou journal TuneIn ak tout lot platform internet yo. Aktualite internasyonal lan ak kolaboratris nou Marie Farah Fortuny.
Président américain Joe Biden déclaré lundi 20 juin, il n'est pas tellement probable pour faire un déplacement Ukraine, en marge à tourner lien, il gain pour le faire en Europe là. Pendant voyage ça pas fin probable, c'est ça le répond journaliste qui t'a posé la question sur une possible visite Ukraine dans quatre déplacements en Allemagne à partir samedi, puis une réunion G7 là et puis en Espagne à partir 28 juin pour un sommet OTAN qu'a fait 4 mois après commencement invasion russe dans pays Ukraine. Amérique latine, notre information, yo joine dimanche soir bateau côté journaliste britannique Dom Phillips à expert brésilien Bruno Pereira te trouvé yo, le ou te disparaître avant yo te touye yo ak bal nan Amazonie, d'après ça la police fait konen. D'après la police civile état Amazonas nan, bateau an yo joine ni en bas de l'eau à 20 mètres profondeur à 30 mètres rive lan côté yo te coincé là avec sac sable pour te empêcher flotter. A ti bateau blanc sa ki te plein labou, autorité ou di yo joine yon moteur met au 4 tambour ki te pou Bruno Pereira. Côté yo joine embarcation, c'est Jefferson da Silva Lima, yo bay ti non pelado da Dinia ki te bay li, li même ki se 3e suspect, yo te arrêté samedi. Police fédérale l'a expliqué dans un communiqué, li identifié 5 autres moun ki ta prend pas à cacher cadavre yo, yo te joine mercredi et puis côté ou te identifié yo dernier jour yo. Et puis Premier ministre israélien Naftali Bennett, chef diplomatie Yair Lapid, des chefs coalition qui sous pouvoir en Israël pour présenter un projet loi pour craser parlement comme ça provoquer élection avant les d'après ça on fait qu'on est lundi 20 juin. Après nous fini avec toute tentative pour stabiliser coalition, Premier ministre Naftali Bennett et Yair Lapid décider faire voter loi pour craser parlement semaine qui va venir là, c'est ça on fait qu'on est dans un communiqué côté on précise rotation a fait une façon ordonnée. Bennett ak Lapid te réuni mois juin 2021 yon coalition unique nan histoire Israël qui te réuni parti droite yo centre gauche et pour première fois yon formation arabe pou te capable mettre fin à 12 l'année sans camper Benjamin Netanyahu en tête gouvernement. Dans l'économie, d'après secrétaire trésor américain, capable de gagner une récession à cause de la vie chère qui a monté grade division dans le pays États-Unis. En écoute, Kervins, Adam Paul, qui a porté plus de détails pour nous. Secrétaire trésor américain, Janet Yellen, fait qu'on est dimanche 19 juin 2022, une récession dans l'économie américaine n'est pas inévitable, seulement quelques jours après une nouvelle augmentation taux directeur dans la Banque centrale américaine, qui fait expert yo craignent pour pas gagner yon contraction nan économie. Moi pas penser yon récession inévitable, c'est ça madame Yellen déclaré sous chaîne télévision ABC News, détant li fait connait li attend li économie a ralenti nan cadre yon transition pour aller vers yon croissance qui lent et puis stable. Hypothèse pour ta gagner yon récession nan pays États-Unis augmenté après décision historique Banque centrale américaine nan n'a parlé la de Fed te prend pour li augmenter taux directeur liyo nan niveau 3/4 point nan objectif pour faire face à inflation kap augmenter en pile. Nan kilti chanteuse américaine nan Beyoncé annoncé li pral sorti un nouveau album 29 juillet k'ap vini an. An koute Daphne Joseph k'ap pote plis detay pou nou. Chanteuse afro-américaine nan Beyoncé annoncé sou rezo sosyal yo li pral sorti un nouveau album 29 juillet 2022. Tout site streaming ou bien vente musique en ligne yo sorti nan Spotify. Pour arriver nan Apple Music, yo propose utilisateur yo pou yo précommander disque yo. En dernier album liyan, a 7e sa, li pral soti a, chantez la pa traité sans li pa fè rien. Li te accouché jimo liyo en juillet 2017 et puis li sorti l'année qui vient après a, yon album avec Marie-Lee Jay-Z et puis yon musique pour film Lyon an, nan l'année 2019. Depuis l'année passée, Beyoncé était déjà révélé, li te commencé à travailler sou plusieurs morceaux musique pour nouveau album liyan. Nan santé, maladie variole du singe lan kite l'Afrique kounya li kontinye ap gaye nan mond lan. An koute Daphne Joseph ka pote plis detay pou nou. Sa ki pousse Organisation Mondiale la Santé retire et statistique distinction ant peyi ki endemik ak si la ki pa endemik yo pou yo ka gen sel repons pou virus la. Nou elimine distinction ant peyi endemik ak peyi ki pa endemik yo epi nan prezante peyi yo ansam lè sa posib pou nou reflete yon sel repons ki nesesè. C'est ça OMS indiqué dans un bulletin information 17 juin 2022.
Au total, il y a 84% de cas qui recensés en Europe, ce qui rend inutile pour mon essayer faire distinction entre cas africains et le monde là. Sorti 1er janvier à 15 juin 2022, au total, la gagne 2103 cas qui confirmés. Yon cas yote gagne doute sous li ak yon cas la mort. C'est ça yote signalé à OMS dans 42 pays. C'est ça yote fait qu'on est. 23 juin, responsable yote pral évalué. Si gros quantité cas qui gagne actuellement yote, li représente yon urgence la soignée publique internationale, puis au degré à l'être lié. Virus là désormais présent sous plusieurs continents dans le monde là. 1300 kay neye en bas de l'eau, parmi yo 15 l'école, 3000 familles sibi gros dommage. C'est premier bilan gros la pli qui tombé mercredi 15 ak jeudi 16 juin 2022 sous Gonaïve d'après direction travaux publics département Latibonitlan. Gouvernement de facto Ariel Henry a déclaré la potée aide urgence bay famille sinistrée dans gros la pli qui était tombé Gonaïve yo. Samedi 18 juin 2022 à deux policiers nationaux qui dans brigade recherche ak intervention yo plus connaît son nombril blessé en Babal, bandit exam te tiré sous yon patrouille la police nan Kafoufeuille, Port-au-Prince. Association Industrie Pays d'Haïti mande gouvernement de facto a prend responsabilité pour faire l'ordre ak la paix retourner sous territoire national la côté population lagué des bras pendier devant climat latéré gang exam ap simaye yo. Jis rive dimanche 19 juin 2022 a li toujours difficile pour mon rive joine gasoline nan pompio. Association professionnelle pétrolio voye jete accusation qui t'a vle fait quoi, ces compagnies qui vendent gaz dans le pays d'Haïti, qui t'a la cause ratement gaz depuis plusieurs semaines dans Pompio sous territoire national là. Parquet tribunal civil Mibale, département plateau central, invité ancien sénateur Willow Joseph Vinbaye plus explication lundi 20 juin 2022 a sous accusation li fait contre sénateur Ronnie Celestin li dit qui t'a mêlé dans l'assassinat en Babal la nuit jeudi 10 octobre 2019 là dans Mibale sous journaliste Némi Joseph. N'a pas plus divers connus coup économie technologie la santé avec la kilti les déconnectés Alter Radio c'est point sur avec divers autres nouvelles développées pour une édition 24h cap venir 24h, journal Alter Radio. Li soti a 6h di swa, li pase tou a 10h di swa, minuit 4h ak 5h di matin epi midi. 24h, informasyon nou bezwen sou Alter Radio. Bienveni nan devlopman 24 an abdima jounal la kondisyon tan, posibilite aktivite la pli sou kek tetmon nan pey da iti yo. Gen mwen sa bouleves nan tan sou gozi le kaib yo, konsman semen sa. Men gen posibilite aktivite la pli sou kek tetmon nan pey da iti yo. Lundi 20 ak madi 21 jan 2022, chale jounen ak bouleves lokal nan tan, pral baye aktivite la pli nan aswe sou pey da iti. Gen van divers kote sou debatman pey da iti yo pandan jounen, gen gwo soley nan matin ap gen nuaj nan finisman jounen ak aswe. Sou di nan nivou 35°C, temperati an pral desan an 26 pou al 22°C nan aswe. Detan, yo va evite rentre nan fon la mer kap mouvi an pil, kapten bato chaloup, boafouye yo, dwe pren prekosyon nesesè yo, bo tout kota peyi da iti yo, va gyo ap monte nan nivou 7 pi ote, bo kota Sidyo ak 5 pi ote, bo kota nor peyi da iti yo. Toujou nan menm chapit, environman 1300 kaineye an bad lo, parmi yo 15 l'ekol, 3000 fami sibi gwo domaj, se premier bilan gwo la pli ki tombe mekwedi 15 ak jeudi 16 jan 2022 a sou Gonaïve, dapre direksyon travou publik debatman Latibonitlan. Gwo la pli sa yo ki tap tombe sou Gonaïve epi kanal yo ki te bouchè te la koz, dlo epi la bou te monte 17 wote soti 60 cm pou rive 1.5 m dapre sa direksyon pote kom presisyon. Yon nan difikulte moun yo a fè fasa apre gwo la pli ki te tombe nan gwo Naïve lan, se dlo a ki kontinu ap monte malgre gen pompe kap pompe dlo a nan la kou moun yo. An koute Faustin Joseph, direktor departemental la proteksyon sivil nan Latibonite lan, kap pote plis detay pou nou. Moun kontinu a fè pompe a ejan nan la kou moun yo, men fòk nou do pi gwo fenomen ki abat moun yo nan zon kote nou do ki inon de yo. Se parce ke gen nap freatik la ki sature, epi gon remonte de zo ki fet. Adi, menm si moun yo fin retire dlo kou liye a, ebyen dlo a li remonte anko. Dok sa se yon nan problem ke moun yo a vivon ya. Alo, heureusement, pat gen la yo di dimanche tan, e petet ke moun yo karal an souf panan nan jo kap vin yo. Dok se pi go volem ki gen. Men pou ko gen travay ki yo a jo, alo, TPT se koman se fe teknit li enlevman ek de blek te nan la ryo, li leve yo. Men gen de mach kap fet pou yo kapab ou mwen kure grand dren ki pote plus blou la kay moun yo. Zon yo,
nous gagnons Badienat, nous gagnons Bagatou, et puis nous gagnons Bapraville, nous gagnons Ruel La Forêt, nous gagnons Cassoleil, nous gagnons Ruel du Biton, nous gagnons Bois d'Homme, nous gagnons l'autre Bacanal, et puis nous gagnons Assifa Seprenne, nous gagnons Troussap. C'est surtout zone ça, yo même qui te prend pile d'eau. Non, non, pas de mentalité, pas de blessé. Oui, oui, ok. C'est seulement Kayo qui, l'eau qui moute, qui côté li moute à 1 mètre, dans Kaimounio, qui côté li à 50 cm, 60 cm. Et non. Alors, système Gonaïf, il y a un bon système de drainage. Mais dans le dernier moment, il n'y a pas de curage. Non seulement le curage n'a pas fait depuis plusieurs années, mais ensuite tout, il y a une population tout, qui c'est drain, c'est canal, qui est prêt à déposer fatra là-dedans. Donc, en plus tout, construction Mounio fait de façon sauvage, sous tout drain, sous canal, qui bouché. On sait de canal qui est de deux côtés de l'eau. Et donc, puisque l'aide de l'eau a descendu, et avec intensité que la pluie a tombé, hein, donc, le système de drainage n'a pas en mesure pour faciliter l'écoulement de l'eau, ça. Donc, c'est ça qui est. Oh, dans l'espace 30 minutes, donc, nous pas capables de dire combien de millimètres la pluie est tombée, puisque il y a des informations qui sont difficiles pour nous. Mais, quand il y a de l'eau de côté, hein, le système de drainage, hein, était défaillant pour faciliter, pour te dégager quand tu étais de loi. Donc c'est ça qui passe. Yon notre bon directeur départemental de protection civile, la Tibonitlan, Faustin Joseph, fait qu'on est, si pas gagné rien qui fait, gagné plusieurs zones en cap toujours inondé, nan Gonaïve, à chaque fois la pluie tombe. Parce que gagné pile monde qui construit caillou, nan côté de l'eau à ta doué passé, pour aller dans la mer. En côté directeur départemental protection civile, la Tibonitlan, Faustin Joseph, qui a porté plus de détails pour nous. Autant que la pluie a tombé, c'est autant que Mounio a victime de questions ça. Mais faut que nous disions tout en passant, et surtout monde qui compte Gonaïve très bien, dans les zones qui sont les zones cassolées là, c'est une zone qui est faite pour recevoir toute l'eau qui a sorti en amont. C'est-à-dire que l'eau pas pachita là. Donc l'eau pas pachita, depuis de l'eau vient la pachita là. Et presque tout drain, le système de drainage, il n'est pas entré dans la mer, il n'est pas percé vers la mer. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Donc l'eau ne peut pas arriver dans la zone ça. Donc, Mounio, alors population, tout responsable des malheurs arrivés, hein, parce que ils ont construit côté pour de l'eau, Tichita, côté pour de l'eau, ils ont envahi la zone, ils ont construit n'importe comment, n'importe qui, gens, donc dans la zone qui est capable de quitter de là pour recevoir de l'eau. Donc c'est problème ça gagne. Alors peut-être que si après le canal, ils ont fait un bon nettoyage dans le canal, la facilité, zone qui en a un qui inonde, par exemple Gâteau et Bienakio, et il y a la forêt même qui pire. Mais rivé qu'à soleil, problème ça a toujours posé. C'était directeur départemental protection civile la Tibonitlan, Faustin Joseph. Gouvernement de facto Ariel Henry a déclaré la pote indigence by famille sinistrée dans Gola Pli qui était tombé Gonaïvio. Pendant une réunion, le Premier ministre de facto Dr. Ariel Henry a présidé dans date samedi 18 juin 2022, il fait qu'on est tout gouvernement mobilisé bon côté pouvoir local pour bailler aux victimes aide en urgence y a besoin. Dans une publication qui fait sur compte Twitter, le bureau Premier ministre fait qu'on est pendant diverses rencontres qui fait yo, Dr. Ariel Henry a adopté yo ensemble mesi en prévision avec saison cyclonique là dans l'idée pour limiter dégâts pour 6 cas. Dans le chapitre insécurité, samedi 18 juin 2022, deux policiers nationaux qui n'ont brigade à recherche et intervention, et plus qu'on est sous nombril, blessés en babal, bandits à examen, tirés sur une patrouille, la police, dans le Carrefour-Feuille à Port-au-Prince. Toujours dans le même chapitre, insécurité, association industrie pays d'Haïti, mandé gouvernement de facto à prendre responsabilité pour faire l'ordre et la paix retourner sur le territoire national là, côté population larguer des bras pendiers devant climat latéré, gang examen à Simaéo. Dans une note pour la presse limitée d'ailleurs, qui gagne date 17 juin 2022, association patronale là, montre les gains gros qu'est sauté, les liwés, dans qui niveau insécurité a monté bien haut dans le pays, ça qui la cause un pile compagnie à Paris pour fermer potio définitivement dans le pays. Dans ce sens, a dit, mandé gouvernement pour lui prendre bon gens disposition pour lui combattre insécurité et puis rétablir confiance dans la population avec main tout pour permettre entreprise de continuer à fonctionner comme ça doit. Dans le chapitre énergie, juste arrivé dimanche 19 juin 2022, il est toujours difficile pour mon arrivé joindre gasoline dans le pompio. Association professionnelle pétrolio voyait jeter accusation qui t'a fait quoi ces compagnies qui vendent gaz dans le pays d'Haïti qui t'a la cause ratement gaz depuis plusieurs semaines dans le pompio sous territoire national là. Dans une note, il y a une vidéo dans la date 17 juin 2022, APPE fait qu'on est prix gaz là augmenté en pile sous marché mondial là, ça qui fait compagnie pétrolière
vin bezwen plis dola pou yo achete yon menm kantite gaz yo te kon nan importe anvan. Epi, kom dola ra an pil nan peyi ya, kompany petrolye yo oblije importe pi souvan yon kantite ki mwen important pase jan sa te kon li anvan. Detan asosyasyon patronal la, di li pou met la fe sa li kapab ak ti mwen li genyen pou li kontinue alimante mache ya. Pendant tan sa, jiska dimanche 19 jan 2022, li te toujou ete difisil pou moun ki bezon jwen gaz nan pomp yo paske an pil nan yo te rete fermen. Nan salman kek gren pomp ki louvri pou van gaz, genyen gwo embouteyaj detan kek moun pran plezi nan van gaz la nan la ri ak yon pri ki kapab menm depase 1000 goud pou chak galon gazolin ki koute nan pomp lan selman 250 goud pou yon galon. Nan chapit la justice, paket tribunal sivil mi balè debatman plateau central invite ansyen senateur Willow Joseph vin balè plis eksplikasyon lundi 20 jan 2022 a sou akizasyon li fè konta senateur Rony Celestin li di ki ta mele nan konsasinae an babal lan 8 jeudi 10 octobre 2019 la nan mi balè sou jounalist Nehemi Joseph. Nan praple, bandi a exam, la polis poko jam identifiye te touye jounalist Nehemi Joseph an babal nan dat 10 octobre 2019 la nan pak Bayas nan komuna mi balè. Asosyasyon Medya Indépendant Pays d'Haïti yo exige limye sou konsasinay 10 Oktob 2019 la sou jounalist Nehemi Joseph ak sou lanmo samdi 31 juye 2021 met Claudie Gassan nan Santo Domingo. Asosyasyon Medya Indépendant yo nan Pays d'Haïti ami di li kondane komportman yon senate ki an fonksyon ak yon ansyen senate ki banalize nan kad yon batay influyans lan mor yon jounalist ak yon avoka tou de ki te disparet nan sikonstans ki revoltan. Jounalist Nehemi Joseph nan Panik FM, nan Mi Balè, debatman plato sentral, epi li te korespondan nan Radio Mega anvan li te moui asasine nan dat 10 Oktob 2019 la nan lokalite Bayas. Avoka ki gen renome internasyonal, juj epi ansyen komise gouvernement, Mèd Claudie Gassan, li mèm te mouri nan dat 31 juye 2021 nan sikonstans ki pou koukle nan rezidans li nan Santo Domingo an Republik Dominiken. Ansyen senateur debatman plato sentral lan, Willow Joseph, akwize senateur Rony Celestin kom kwa li ta responsab de zak sa yo san li pa bay plis preuve sou sa. Ami, di li regret pa gen oken limye ki kou fèt sou sikonstans de personalite sa yo, patikilyèman jounalist Nehemi Joseph ki pedi la vi li. Li profite mande otorite gouvernemental yo pou yo pren responsabilite yo nan garanti proteksyon jounalist ak travay la pres yo men tou populasyon an jeneral. Nan chapit korupsyon, unité lit kont korupsyon di li prepare yon anvan proje lwa ki ta dwe bay proteksyon pou tout moun ki ta denonse yon serizak kouchi nan kade disposisyon pou kwa apesa korupsyon nan peyi d'Haïti. Nan yon publikasyon li fe, ULCC anonse li a fe yon atelier prezentasyon ak deba sou anvan proje sa nan dat madi 21 jan 2022 a nan yon nan hotel nan kapital la. Detan, yo tap exige demisyon Premier Ministre de facto a Ariel Henry, plizye patizan pati politik Fami Lavalas te desen nan la ri Okay, debatman si davan lwedi 17 jan 2022 a, yo tap mande pou seta prezident pati yo a Jean-Bertrand Aristide ki ta dwe vin a la tèt yon gouvernement transisyon nan peyi d'Haïti. Aktualite internasyonal lan ak kolaborate non Kervance Adam Paul. Nan peyi Etazini, ansyen vice-prezident Ameriken Mike Pence kapab jwen asinyasyon pou li komparet devan komisyon kap ankyete sou aso kapitol la, dapre sa yon nan maman komisyon sa, eli demokrat lan Adam Schiff fe konen dimanche lan avan nouvo audisyon piblik ki prevoa fet semen prochen. Je di pase, komisyon palmante a te detaye padan yon audisyon ki te retransmet an direk sou televizyon, diverse presyon ansyen prezident Donald Trump te fe sou vice prezident Mike Pence pou li te tante empeshe sertifikasyon vik toa Joe Biden nan kom prezident nan dat 6 janvye 2021 pase. Sou kontinant Européen, ajan gad kote grek yo pote se kou bay plis pase san migran nan mi tan lanme zile Mykonos nan lanme Ege tandis ke kat lot disparet dapre sa ajan gad kote yo fe konen.
L'autre nouvelle, l'armée ukrainienne fait connait dimanche nan li repousser quelques attaques rissio tout près de Vyorodonetsk dans l'est pays à côté qui gagne un gros combat sanglant dans yon la guerre qui capable durer plusieurs années d'après OTAN. Dans l'économie, Banque mondiale dit li baye Haïti un lot bourade $20 million pour service soins santé primaire. En côté Kervins, Adam Paul kapote plus détails pour nous. Conseil administration Banque mondiale a approuvé un financement plus passé $20 million américains pour un projet renforcement soins santé primaire et puis surveillance dans le pays d'Haïti d'après sa institution financière annoncé dans un communiqué jeudi 16 juin 2022. D'après Banque mondiale, quantité l'agence a un objectif augmenter utilisation service soins santé primaire dans quelques zones dans le pays d'Haïti et puis viser tout pour lui renforcer capacité surveillance en maladie, en particulier maladie tant que choléra, d'après sa banque l'a précisé dans un communiqué. Accès à soins santé bon qualité fondamental pour diminuer cycle pauvreté a renforcer capital moun dans pays d'Haïti et puis aider génération cap vini yo atteindre plein potentiel yo d'après sa Laurent Mselati qui est chef opération Banque mondiale là dans pays d'Haïti déclaré pendant li fait qu'on gen effort en plus qui nécessaire dans l'autre domaine. Li dit li content parce que Haïti réussit éliminer choléra avec succès sans aucun cas pas jamais détecté dans le pays pendant 3 dernières années. N'a pas rappelé projet initial renforcement soins primaires et surveillance dans le pays d'Haïti a te joint approbation conseil administration Banque mondiale là dans date 16 mai 2019 pour un montant $78 million américains. Nan kilti a cause problème sécurité gros compétition Eurovision pas ka organisé dans pays Ukraine. An koute Daphne Joseph ka pote plus détails pour nous. Vendredi 17 juin 2021, l'Union européenne radio-télévision a annoncé qu'il n'y a pas organisé Eurovision 2023 dans le pays Ukraine. Il n'y a pas réuni conditions de sécurité qui nécessaires pour accueillir le concours musique ça l'année prochaine. Réaction Volodymyr Zelensky sous victoire groupe ukrainien Kalosh Orchestra dans Eurovision 2021 n'y pas misé. Dans la nuit 14 pour arriver 15 mai, président a annoncé l'année prochaine c'est Ukraine qui a accueilli l'événement ça. L'Union européenne prend décision après les fin analyser situation et puis il fait une étude pour garder s'il est possible pour réaliser activité dans le pays Ukraine. D'après eux-mêmes, concours Eurovision c'est un produit télévision qui plus compliqué dans le monde là. Li mande yon l'année pour yon préparer li. Li exige tout collaboration plusieurs milliers moun et puis li réuni chaque année yon public qui gros en pile sous site pour accueillir événement. Après constat sa yo, yon estime pays Ukraine n'a pas accueillir événement en 2023. Agence américaine médicament yo FDA a autorisé lundi 13 juin yon médicament contre yon forme grave alopécie qui c'est une maladie qui la cause moun pedi chevel ou bien plim sou yo côté le touche plus passé 300 000 moun chaque année pays États-Unis. Baricitinib qui c'est premier comprimé yo prend en façon orale permet yo bataille contre affection ça alopecia areata côté système immunitaire attaqué folliculio et puis la cause moun nan perdi pou yon titan ou bien net plim sou kol ou bien cheville ça qui capable mener à une détresse émotionnelle maladie ça qui pas trop longtemps gagné pays États-Unis les en pile personnalité publique tant qu'actrice Jada Pinkett Smith ou bien élue démocrate Ayanna Pressley été révélé yo fèl. Les crucial pour quantité important américain qui affecté dans une forme grave alopécie qui a accès à possibilité traitement qui si et qui efficace c'est ça Kendall Marcus responsable FDA a fait connait dans un communiqué. Baricitinib, entreprise pharmaceutique américaine Eli Lilly fabriquée et puis qui commercialisée sous nom Olumiant, c'est pour une catégorie médicament qui bloquait inflammation. FDA qui autorisait remède ça, a fait des essais cliniques sous 1200 personnes qui ont une forme grave alopécie. Pour chaque essai participant, yo te réparti en 3 groupes. Yon tiers te recevoir un placebo, yon tiers te recevoir une dose chaque jour 2 mg et yon tiers te recevoir une dose chaque jour 4 mg. Après 36 semaines, à peu près 40% patients qui te recevoir pigot dose, te wè cheve yo repousse à 80% contre environ 23% moun qui te recevoir yon faible dose et puis 5% moun qui sous placebo. Environ 45% moun qui te recevoir 4 mg yo te yo même tout wè sous cil yo aplim je yo pousse yon façon significative. Effet secondaire qui plus fréquent c'est infection voie respiratoire supérieure, mal tête, bouton
cholestérol qui vin wo, un gros présence enzyme yore les créatine kinase. L'autre traitement est testé tout même, FDA pas autorisé yo. Baricitinib lan te deja otorize pou tretman polyatrite rhumatoïde e yo te otorize l a patient ki gen fòm grav COVID-19. 1300 kay neye an badlo, parmi yo 15 l'ekòl, 3000 fami sibi gwo domaj, se pwemye bilan gwo la pli ki tombe mèkodi 15 ak jeudi 16 jan 2022 sou Gonaïv dapre direksyon travou publik debatman la Tibonit lan. Gouvenman de facto Ariel Henry an deklare la pote ed ijans bay fami sinistre nan gwo la pli ki te tombe Gonaïv yo. Samedi 18 jan 2022, a deux policiers nationaux qui nan brigade recherche ak intervention yo plis konnen sou nombri blessé en babal, bandi a exam te tiré sou yon patrouille la police nan Kafoufeuille, Port-au-Prince.